trouve un beau gosse en culotte rose, d'ailleurs tout à fait normal, avec tagué sur son bidon « Grab my nuts », que l'on pourrait traduire par « en gros, attrape mes couilles ». Voilà, saisis mes couilles, chope mes couilles. Donc vous savez ce qu'il vous reste à faire avec ce genre de personne. Alors ici on retrouve notre ami Trevor qui pose sa pêche derrière une poubelle. Je veux dire, c'est tout à fait normal, ça ne choque personne, il fait caca derrière une poubelle. Normal. Encore plus what the fuck, hein. Putain de requin en plein milieu de la route. Ici non plus, ça ne choque personne, on s'en bat les couilles. Il y a juste un requin en plein milieu de la route. Non les gars, vous inquiétez pas, c'est un requin en plein milieu de la route, ça va aller. Alors voilà, Trevor, gangster, maniaco-dépressif, violent, pervers, obsédé, cannibale, tueur en série, c'est fini. Voici Trevor Stripteaseuse. C'est tout à fait normal aussi. On continue avec une magnifique photo qui nous fait penser à notre magnifique pays. Trop de sentiments. Alors là on a du dossier. J'ai nommé le chien Dubstep. What is the fuck? On continue donc avec une photo totalement normale. Deux steaks et une saucisse. Non, je veux dire, bah, y a pas d'arrière-pensée, c'est faux. Non, c'est normal, pas du tout. Non, non, c'est juste deux steaks et une saucisse. Ouais, tout à fait. Ici non plus, c'est un dérapage comme les autres, je veux dire, enfin, j'ai une belle trace de pneu. Ouais, une belle trace de pneu. On continue avec un joli easter egg sous forme de hiéroglyphes extraterrestres. On y voit des extraterrestres qui pratiquent des activités quotidiennes totalement banales. Non, c'est totalement anal. Banal, ouais, des activités banales. Ouais. Alors ici, on a un bug bien sympa en dessous de la map de Los Santos. Par contre, on m'explique. Comment il a fait pour prendre la photo? On était bien parti, enfin une photo un peu normale. Mais non, il faut qu'il complique les choses, bordel de merde! Cette femme est passionnée de golf, tout simplement. Elle aime les clubs de golf, ouais. Il n'y a rien de... N'y voyez pas d'arrière-pensée, non. Ça ne choque personne. Vraiment, non, ça ne choque personne. Je veux dire... Nabila? Nabila, c'est toi? Allô? Allô, Nabila? Est-ce que c'est toi? Ah, là, c'est un bon dérapage. Il n'y a pas d'arrière-pensée, il n'y a rien. Enfin! Merci! Enfin, une photo agréable. Franklin joue à cache-cache avec ses potes. Normal. Et pour finir en beauté, un clin d'œil pour ceux qui connaissent une des vidéos qui m'a fait le plus rire sur YouTube. Enjoy. Voilà, c'était la première compilation des meilleures photos de GTA V. J'espère que ça vous a plu et que c'était fun. N'hésitez pas à envoyer vos photos GTA V par message privé sur ma chaîne YouTube. Je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo. Je vous remercie. Ciao les potes.